chouette, me voilà. Tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, je suis l'enfant de vos enfances. Ou bien l'enfance de vos mémoires. Poussière de craie et carte de France. Boule de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà. Le chouette bouquet. Oh ! Maman est descendue, tu peux y aller. C'est une vraie folie, mais après tout, c'est pas tous les jours la fête des mères. Il est terrible et assez gros pour qu'elle mette dedans les fleurs que je vais lui offrir. On fait comme prévu. Vite, à ton poste. Nicolas, qu'est-ce que c'était ce bruit, dis-moi? Un bruit? Oh, ben, j'ai rien entendu, moi. Et toi, Nicolas? Ça venait sûrement dehors, maman. Ouf, j'ai eu peur que tu aies encore cassé quelque chose, comme mon vase la semaine dernière. Oh, on dirait que ça a sonné. Bon, j'y vais. Il est pile à l'heure. Je m'occupe de ta mère le temps que tu expliques à Alceste ce que tu sais, d'accord? Oh! Alceste, je t'ai demandé de venir aujourd'hui parce que je suis en train de préparer un gros coup pour la fête des mères. Voilà, je compte lui offrir des fleurs. Ah bon? Mais pourquoi faire? Bah parce que c'est joli, tiens. Mais ça sert à rien. Moi, la mienne, je vais lui offrir du boudin blanc. Au moins, ça se mange et c'est bon. Ah oui? Mais c'est pas un cadeau, ça. Non, mais tu rigoles. Moi, je serais drôlement content qu'on m'en offre. Tiens, maman, c'est pour toi. Ils sont magnifiques. Merci, Nicolas. Bon alors, inutile de te préciser que c'est une mission délicate. Les copains de l'école ne doivent absolument pas me voir me promener avec un bouquet de fleurs. Sinon, ils vont se moquer de moi. Oui, ça, c'est sûr. Il va falloir agir en toute discrétion. Et pour ça, j'ai préparé un plan infaillible. Wow, c'est notre quartier, dis donc. Ça, c'est toi, et là, c'est moi. C'est dimanche, il y a donc un risque pour que les autres soient en train de jouer dehors. Alors voilà comment on va faire pour les esquiver. Attention! Droit devant, c'est le terrain vague. Il est sûrement occupé par des copains, il faut absolument l'éviter. Facile, on prend à gauche. Surtout pas, je sais de source sûre que Clotaire doit aller chercher un cadeau. Là, il faudrait être prudent. Marie-Edwige passe l'après-midi chez Mélanie, donc elle risque d'être dans le jardin. On passe par ici, et par là, et voilà! Avec un peu de chance, on rejoint la maison sans encombre. C'est vrai qu'il est bien ton plan, mais il est risqué. Si on se fait prendre, les autres se moqueront de nous pendant au moins 1000 ans. Je sais pas si ça vaut le coup. Mais pour te récompenser, j'ai dans cette boîte la chose que je t'ai promise. Du pain d'épices maison. J'ai réussi à le sortir de la cuisine sans que maman me voie. Regarde, il est encore tiède. Du calme, Alceste. La moitié maintenant et l'autre, je te la donnerai à la fin de la mission. Marché conclu. Pour l'instant, ça va. Tout se déroule comme prévu. Hé, Clotaire! Qu'est-ce que tu fais là, habillé comme le chouchou de la maîtresse? Tu vas jouer chez Agnan? Jouer? Non, j'ai pas le droit. Mon père veut que je reste propre pour la fête des mères. En plus, je suis pressée, je dois encore aller chercher le cadeau. Vous deux, là-bas, plus un geste. Non mais ça va pas, la tête, de crier comme ça. À quoi tu joues, Rufus? Bah, aux policiers, comme mon père. Et vous, alors, vous faites quoi? Et vous allez où? Nous? Bah, on va... On va chez Joachim. Ah bon? Dans ce cas, je viens avec vous. J'en ai assez de jouer tout seul. Rufus? Et
si on faisait la course? Le dernier arrivé chez Joachim est une vraie mauviette. Et le premier arrivé est le plus grand champion. Par là, Alceste. On a un bouquet à acheter. Bien joué, Nicolas. Ce boudin blanc, il sent vraiment trop bon. J'espère bien que ma mère me fera goûter son cadeau. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, les garçons. Je voudrais le plus gros bouquet que vous pouvez faire avec tous ces sous. C'est pour la fête des mères. Je ne vais pas pouvoir te donner beaucoup de fleurs pour cette somme, mon garçon. Ah bon? Et ça fait comment, pas beaucoup, au juste? Ça fait comme ça. Oh, bon, on va essayer d'arranger ça. Je vais rajouter des feuilles pour qu'il soit bien gros. C'est mieux comme ça, non? Ça, c'est un vrai bouquet de fête des mères. Bonjour, mademoiselle. Je viens chercher mon bouquet. Mince, c'est bête. Tu ne l'avais pas prévu, le chouchou. Tiens, elles sont un peu bizarres, tes fleurs. On dirait des épinards. Et alors? C'est super délicieux, les épinards. Et ça va très bien avec le boudin. Et ça, à ton avis? Ça ressemble à mon poing sur le nez? Ou tu veux y goûter pour être sûr? Tu n'as pas le droit de me taper dessus. J'ai des lunettes. Hé, Joachim, regarde qui se promène avec un bouquet de fleurs. On dirait une petite fille avec son bouquet. Ah ah, le chouchou, le chouchou. Viens, Joachim, on va aller le dire aux copains. Ouf, ils sont partis. Oui, mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Oh mince, Louisette! Impossible d'aller par là. Allez, papa. Essayons par le terrain vague. Mais tu as dit que c'était trop risqué. On n'a plus le choix maintenant. Vas-y devant en éclaireur. Pourquoi moi? Tu préfères peut-être attendre avec le bouquet? Non? Alors on fait comme j'ai dit. Allez, on y va. Maintenant! Papa, dépêche-toi! C'est bon, tu peux venir. Il n'y a personne. Ça y est, oh, je l'ai trouvé. Oh. Salut, Alceste. T'es venu tout seul? Bah oui, tu vois. Ça vous dit qu'on se fasse un petit basket tous les quatre? Je veux dire, tous les trois. C'est trop nul, le basket. Moi, je préfère le foot. Mes boudins blancs. Tiens, ça t'apprendra. Oh. Nicolas? Ah tiens, Eudes, je crois que c'est ton ballon, non? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Ben, en fait, j'attends Alceste pour faire le chemin jusqu'à chez moi. Ça te dit de faire un foot? Désolé, mais ma mère m'a interdit de jouer au foot avec mes nouvelles chaussures. C'est drôle, on dirait les mêmes que d'habitude. Qu'est-ce que tu as fait de ton bouquet? Je l'ai jeté là-haut, juste à temps. Aide-moi à monter. Oh non! Mes fleurs! Viens, en coupant par là, on peut peut-être le rattraper. Hein? Oh non, trop tard! C'est fichu! Hé, hey, Nicolas! Tu as vu le super tableau que j'offre à ma mère pour sa fête? Elle va adorer, elle raffole des dessins. Vite! Geoffroy, on doit rattraper ce camion! Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, le chauffeur a perdu son boudin blanc. Il faut absolument qu'on le rattrape, c'est une question de vie ou de mort. Oh, vous avez entendu, Albert? Suivez ce camion. Merci, Geoffroy. Tu peux y aller maintenant. On va se débrouiller tout seul. Pas de problème, Nicolas. Récupérons le bouquet maintenant que Geoffroy est parti. Non! Regarde, il est là. Terrible! Oh, quelle
petit bouquet de fleurs tu as, Alceste? Bah en fait, c'est pas à moi. Mais je peux te faire sentir mon boudin blanc si tu veux. Oh, il te plaît? Alors tiens, il est à toi. T'as trouvé des épinards au marché, Marie-Edwige? Espèce d'idiot, c'est Nicolas qui vient de m'offrir des fleurs. Hein? Ouh, l'amoureux, Nicolas est amoureux. Il est amoureux, il est amoureux. Non, c'est pas vrai d'abord. Ce bouquet est à moi. J'en ai assez de me cacher. Je l'ai acheté pour la fête des mères. Tu peux le garder, va. Je m'en fiche, j'ai horreur des épinards. T'as vraiment l'air d'une grosse andouille avec ce bouquet. Et toi, t'as de la chance que j'ai les mains prises. Sinon, t'aurais déjà reçu un coup de poing sur le nez. Je veux bien te tenir tes fleurs pendant que tu lui donnes ce coup de poing. Maintenant, c'est toi qui as l'air d'une andouille. Même pas mal. Même pas mal. Mes beaux fleurs. Je vais le dire à ma mère que c'est à cause de vous qu'elle a pas de cadeau. Oh, désolé, attends. C'est pas perdu, on va tout ramasser, tu vas voir. Tiens. Comme ça, il est moins lourd. En tout cas, cette fois, je rentre chez moi directement. Et tant pis si on se moque de moi avec mes fleurs. Salut, Nicolas. Toi-même, hein? C'est toi, l'andouille. Oh, elles sont pour qui, ces belles fleurs? Pas pour toi. Et je ne suis pas amoureux de toi, d'abord. Tiens. Gouja comme toi. Oh. Bonne fête, maman. Oh, merci, c'est bien la plus jolie fleur que j'ai jamais reçue, mon petit chéri. Et tu sais, on va la mettre dans le beau vase que papa m'a offert pour ma fête. Elle est chouette, ma mère.